make-up, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vlog parce que vous aimez vraiment ça sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai des petites choses à faire et tout. Du coup, je me suis dit que je vous invite avec moi. Là, il est 8h. Je vais aller au petit déjeuner. Je viens de me réveiller, j'ai mis un réveil. Et après, il faut que j'aille à Action acheter quelques petits trucs pour finir le cadeau d'anniversaire de mon copain. Il y a mon bébé. Oh, coucou. Oh, bah là. Ça va? Bah oui. Déjà, je vais nourrir Salem parce que là, il est affamé. Il a surtout soif, je crois. Tu montes? Et je vais faire mon petit café avec les cafés solubles là. Et voilà, du coup j'ai fait mon café, il est là, j'ai des petits granola parce que j'aime bien déjeuner avec ça en ce moment. Et j'ai pris l'iPad aussi, comme ça je vais pouvoir jouer à mes jeux parce que bon, on n'oublie pas quand même que je suis en vacances. J'ai fini de petit-déj, je vais aller me doucher maintenant. Je pense que j'en aurai pas pour longtemps de faire mes petites courses et tout. Ça m'occupera un petit peu la matinée quand même. Bon voilà, je suis quasiment prête. J'ai une marinière qui vient de chez Galeries Lafayette et ma jupe c'est une Cosse. Elle est trop chouette, ma jupe j'aime trop. Donc voilà ce que ça rend comme ça. J'ai mis une petite ceinture. J'ai mis mon Rocky parce qu'il était déjà fait. Au niveau de mes cheveux, ça va à peu près. Bon, j'étais pas recoiffée, mais il commence un petit peu à être sale. Au niveau de mes chaussures, je vais mettre mes Golden Goose Superstar, je pense. Parce que de toute façon, je sais pas quoi mettre d'autre. Puis en plus, comme je vais conduire, j'avais envie d'être confortable, vous voyez. Juste avant de partir, je pense que je vais préparer un colis Vinted parce que j'en ai un à préparer. J'ai fini d'emballer le colis, il est trop bien emballé, je suis trop contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes chaussures et bah je vais y aller. Bon, je suis dans la voiture, oh, c'est trop moche comme ça. Je vais partir, je vais conduire, je sais pas si je peux vous caler là. Action, du coup je vais faire Action d'abord. Oh. Merde, je crois que j'ai déjà mis les clés dans mon sac. Si je mets les clés dans mon sac, je ne peux pas fermer la voiture. On voit pas très bien, mais c'était très près. Il n'y avait pas de bip bip sur cette voiture, du coup c'est un peu chiant. Quand on sait vraiment conduire, on n'a pas besoin de bip bip. Est-ce que j'ai fermé? Ouais, c'est bon, j'ai fermé. Je vous jure, à chaque fois, je me fous la pression. Bref, allez, c'est parti, on va faire nos petits achats. Je prends un panier, on sait jamais. Je vous montre pas tout ce que j'achète parce que... Bah déjà parce qu'il va regarder cette vidéo. Donc si je vous montre, bah ça va pas le faire. En fait, j'ai envie de tout acheter dans cette boutique, c'est horrible. En même temps, je fais du petit repérage pour l'appartement. Vous voyez, ça c'est trop bien, genre pour mettre les légumes et tout. Ouais, c'est cool. Il y a plein de petites boîtes, super sympa. Bon, vu que j'ai pas grand chose à faire ce matin, je me balade un petit peu dans les rayons. C'est fou parce que j'en ai vraiment plus rien à foutre de vlogger. Je parle toute seule à la caméra dans les rayons. Les gens me regardent bizarre, mais moi je suis en mode yes. Il y a vraiment des trucs trop jolis, genre ça. J'ai envie de l'acheter juste pour me faire un café dedans, vous voyez. Mais en vrai, ils ont des trucs vraiment sympas, je trouve. Et pas super cher. Quand vous voyez les prix, enfin franchement ça va. Et c'est assez chouette ce qu'ils ont, je trouve. Alors je sais pas honnêtement si par exemple ça va bien la vaisselle ou genre si ça dure. Franchement, si vous avez de la vaisselle qui vient de chez Action, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je suis assez curieuse de savoir. Regardez, ça aussi c'est génial pour faire des lunchbox. Oh là là, j'ai envie de tout acheter. Je suis tellement contente, j'ai trouvé des Hershey's. Je suis trop heureuse. J'aime trop ça, c'est tellement bon. C'est bon, j'ai fini chez Action. Du coup j'en ai pour 8€ en tout. Donc c'est vraiment pas cher. Parce que j'ai quasiment 8 articles en fait. Là je vais aller à Cora du coup. je suis toute bloquée. Donc j'avais déposé mon colis et j'aimerais bien lui trouver un dernier truc. J'espère que je vais le trouver, je sais pas. Là je suis arrivée, autant vous dire que le trajet a duré 1 minute. J'aurais limite pu y aller à pied, mais bon, vu que j'ai une voiture autant. Je suis déplacée en voiture. Je prends mes clés, je prends le colis. Donc du coup j'ai vraiment qu'un seul truc à acheter normalement. C'est bon, j'ai déposé mon colis. Je vais chercher ce qui me manque. Puis voilà. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai plus qu'un seul essai pour aller regarder dans une autre boutique.
s'il n'y est pas, bah, tant pis pour moi. Bon voilà, je suis dans la voiture, j'ai acheté du coup le dernier truc qu'il me fallait. En soi, il manquerait un cadeau pour que ça soit vraiment vraiment parfait. Mais j'ai un peu de temps encore pour le chercher. Je vais rentrer à la maison, il est 10h46. Je suis rentrée à la maison, il y a Salem qui est là. Ce que j'ai envie de faire là, c'est commencer à faire le cadeau d'Hugo. Parce que je sais pas trop quoi faire en attendant. J'ai laissé le carton 2 secondes ici, histoire d'aller récupérer ce que j'avais déjà acheté. Et voilà. Qui voilà dedans. Franchement, le contraire m'aurait étonné. Je vais pas filmer en accéléré ni rien. Je vais pas du tout vous montrer. Même en accéléré, en fait, on verra ce qu'il y a dedans. Et c'est pas le but, vu qu'il regardera sûrement cette vidéo. Donc voilà. Et j'aime bien mes cheveux là. Hein. Donc c'est parti, je vais commencer. Et je vous retrouve quand j'ai à peu près fini. Toute chose, j'ai très envie de goûter les Hershey's. Donc ça ressemble à ça. Trop bon. Trop contente, le cadeau rend trop trop bien. Là il est quasiment midi, je vais cuisiner, je sais pas quoi me faire à manger. Je suis en train de me faire cuire des coquillettes parce que je savais pas du tout quoi faire. Puis c'est un peu le repas de la flemme, ça fait longtemps en vrai que j'ai pas mangé de pâtes. En plus ce soir c'est pizza, du coup c'est trop bien. Voilà ma petite assiette du coup, j'ai mis une tomate avec de la feta. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive et je vais me connecter sur mon YouTube. Et je vais regarder des vidéos, je sais pas quoi, mais je vais regarder des vidéos. Il est 12h43, j'ai fini de regarder des vidéos, j'ai regardé Mastu et Emily Susanna. À 13h j'irai mettre une machine parce qu'il y a du linge à laver, que je fasse une peinture pour mon copain. Je sais pas du tout comment faire, je sais pas quoi faire, je suis pas du tout douée, je fais pas de peinture en général. Je montre vite fait, je vais commencer, j'ai mis un t-shirt à mon père. Bon guys, j'ai fini mon tableau, alors... Honnêtement, je suis trop trop fan du résultat. Je pensais pas que ça allait aussi bien rendre. C'est mon premier tableau, d'accord? C'est la première fois que je peins un tableau. Je vais étendre le linge et tout, je vais m'en occuper. Et après, je sais pas quoi faire. Soit je me pose, soit je fais du montage pour prendre de l'avance. Hier, j'ai lavé mes draps. J'ai oublié de les remettre hier soir. J'avais trop la flemme. Donc, c'est parti, je vais les remettre. Voilà, j'ai fini de mettre mes draps. Je vais aller faire un peu de montage. Il est 15h03. Donc après, j'aurai aussi une machine à étendre. Il est 16h11. J'ai avancé un petit peu sur mon montage. Du coup, je suis contente. Je viens d'étendre la machine de noir. Là, je vais sortir les serviettes que j'ai mises au séchage un petit peu. Et que je vais aller étendre dehors. Fini mon goûter. J'ai joué à Clash Royale mais ça m'a fait trop rire parce que genre j'ai gagné un combat et genre après je me suis dit vas-y je retente et tout. Et là le mec il met un géant squelette et il arrive à toucher ma tour et du coup j'ai abandonné. Là maintenant j'avais envie de faire des TikTok. Ce soir on va au camion de pizza avec ma famille et tout. J'avais envie de me maquiller, de me préparer. Bon en fait j'avoue j'ai craqué, j'ai montré le tableau à mon copain en FaceTime. Du coup bah je peux vous montrer. Oula, 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 oula. Il se casse la gueule là, il se casse la margoulette comme on dit. Ah d'ailleurs je me suis préparée. J'ai juste mis un petit top pour faire des TikTok. Mais voilà, j'ai taché ma jupe avec de la poudre. Je me suis bouclé les cheveux aussi. J'aime trop coiffer comme ça. J'aurais pu vous faire des plans quand je peignais parce que du coup, j'ai montré le tableau à mon copain. Mais le voici. Voilà, je suis assez fière de moi. Alors, je vous montre de plus près. Genre, c'est un peu dégueu. Il y a des endroits. Les highlights, ils rentrent bien de loin, je trouve. Les petites étoiles aussi. Mais quand on regarde de près, ça fait un peu dégueu, vous voyez. Après, il faut pas oublier que c'est de la peinture action que j'ai payé 1€. Des pinceaux action que j'ai payé 1€. Mon collier là, je vais pouvoir l'unboxer. Je pensais qu'il allait être un peu plus gros que ça. Ouh, regardez comme il est blanc le colis. Alors déjà donc on a des capsules. On a ici, ah oui, une mini lampe individuelle. On a la brush and nail glue, coller les capsules en fait. Et après on a deux packs de semi-permanents, c'est la collection Redefine. Et on a aussi des petites cartes sont trop chouettes. Bon bah j'ai vraiment trop trop hâte de les tester parce qu'ils ont l'air tous incroyables et vous verrez ça du coup dans une prochaine vidéo parce que je sais pas quand est-ce que celle-ci sort parce que je la tourne un petit peu en avance par rapport à la date qui est prévue de sortie. Maman est arrivée du coup, elle a mes bons de colis Vinted, faut que je les prépare. Salut, il fait n'importe quoi. Attendez, on va le courser. Ouais. Je sais pas comment expliquer mais je viens de croiser mon frère du coup bah, il me dépose, on va déposer mon collier.
Il fait super mauvais. Ouais. Bon, je me suis rechangée du coup, j'ai mis mon pull H&M que je mets tout le temps en ce moment mais que j'aime trop. Ma robe Zara Nano Novel Bordeaux de chez Zadig. Et j'ai des bottes Jessica Burman. Et voilà pour mon look, je vous vloggerai la soirée pizza. Ça me fait trop rire, alors vraiment c'est notre camion de pizza genre vraiment. Alors ça fait un malaise. Ta gueule. Bon alors du coup je vais chercher une pizza pour moi et ma mère à la grange parce qu'en fait le camion il est overbooké ce soir. Du coup bah je vais chercher à la grange. C'est maintenant la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Vous me demandez beaucoup de vlogs et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était sympa de vous vlogger ma petite journée. Du coup la soirée, je vais pas beaucoup vlogger parce que du coup bah en plus j'étais avec ma famille. Comme vous avez vu, j'ai pas mangé de pizza, j'ai mangé un McDo finalement. J'avais trop faim et je voulais pas attendre. Du coup si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez comme d'habitude. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Je vous laisse aller checker ça, il y a mon Insta, mon Vinted, mon TikTok, mon 21 Buttons. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour rater aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.